oui, c'est un peu plus cher effectivement parce qu'il y a des coûts de production beaucoup plus élevés et de la main d'œuvre. Voilà, les carottes, nous on les désherbe à la main, donc les semences, enfin les carottes, pas que les carottes, quoi, on désherbe tout à la main. Le désherbage, c'est un gros, c'est le gros poste qui prend un temps énorme, quoi. Bon, des fois on se laisse un peu envahir par l'herbe. Il vaut mieux pas, mais des fois, bon, voilà, ça arrive. Après, c'est vrai que donc nous, bon, en bio, il faut expliquer qu'on est contrôlé par un certificat, un organisme certificateur, EcoCert. Pour nous, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Hein. Donc ça, c'est un coût aussi. Ça nous donne le droit de mettre le logo AB sur notre production, et ça nous donne le droit aussi d'avoir deux contrôles donc par an, donc ils peuvent contrôler un peu tout ce qu'ils veulent, hein. Les factures, les poubelles, hein, si ça leur dit, pour voir s'il n'y a pas de bidon de désherbant. Voilà, ils contrôlent, quoi. Mais c'est bien, il faut qu'ils contrôlent. Donc par rapport au coût de production, c'est vrai que bon, c'est le terreau qu'on achète pour les semis est bio, donc c'est beaucoup plus cher que le terreau conventionnel. Les semences sont bio, et les intrants, parfois il nous arrive, bon, on produit principalement avec du fumier. Mais il nous arrive d'acheter de l'engrais organique, donc bon, bah voilà, c'est un coût. Comment ? Oui, voilà, aussi on n'est pas du tout mécanisé, enfin si, on a un tracteur, on a des outils tractés pour le travail du sol, mais bon, y a la cueillette est à la main, les traitements, il y en a très peu, hein. On a droit à la bouillie bordelaise, on a droit au soufre, on a droit au bacillus, qui est un champignon OBT. Bon, c'est pas magique, hein. Y a rien pour certains. Par exemple, pour les doryphores, c'est à la main. Hein. Ouais, sur les larves, mais pas sur les adultes. Donc voilà, si les pommes de terre sont envahies de doryphores, c'est des passages. Et on les ramasse. Et si on veut faire de la biodynamie, on peut essayer d'en faire du répulsif, mais je sais pas, on n'a pas encore essayé. Mais ça marche. On a les lapins aussi qui viennent nous manger les cultures. Bon, juste, bref, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai qu'on n'a pas encore... nous, on est installés, donc depuis... On va mettre en production là pour la cinquième année. On n'est pas du tout subventionné par la PAC. Enfin, on l'était un peu en tant que agriculteur en bio. On ne va plus l'être parce que on est passé. Nous, on a repris des prairies, donc on n'a pas repris une terre qui était déjà en cultivée en conventionnel. Donc, on est passé directement en bio. Donc, on n'est pas passé par la conversion. Donc, de ce fait, maintenant, avec la nouvelle PAC, enfin, ou je sais pas la nouvelle PAC, je crois que c'est l'État, c'est la France qui a décidé ça. Que c'est la nouvelle PAC qui avait plus d'aide pour les personnes qui étaient passées directement en bio. Donc, bon, les aides, on n'en a pas. On est en total autofinancement, ce qui fait que on est toujours endetté à droite à gauche parce que le matériel ça coûte cher et que les banques veulent pas nous aider, et on n'a pas réussi encore à se dégager de salaire. Voilà.